L'INSEE a dévoilé son bilan démographique pour 2020. 740 000 bébés sont nés en France l'an passé, soit 13 000 de moins qu'en 2019. C'est le chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Même constat dans les maternités strasbourgeoises, alors conséquences du virus ou tendance générale. Élément de réponse à Schiltigheim et Strasbourg avec Cécile Motz. Marjoline, 42 cm et 1,7 kg, est arrivée il y a 2 jours avec 1 mois et demi d'avance. Ses parents sont aux petits soins et pour Mélissa, sa maman, la situation sanitaire n'a rien changé à son désir d'enfant. On n'arrête pas notre vie pour le Covid, même si ça ralentit beaucoup de choses. Donc on l'a conçu premier confinement et on l'a reçu après le deuxième, quoi. Avec la crise, les proches du couple ne peuvent pas venir à la maternité, de quoi créer du lien plus calmement avec la nouvelle venue. Une situation vécue avec philosophie par Michel, le papa, qui peut venir voir sa famille une fois par jour. Moi, le soir, en partant, j'essaye de faire un tour dans les familles pour un peu montrer les photos, montrer les vidéos. Ça nous a quand même permis, le confinement, de faire les choses en avance pour être beaucoup plus serein. On n'a pas la crainte de dire « Ah, il faut encore ci, il faut encore ça ». On pense plus maintenant à nous trois qu'au reste. À la clinique Sainte-Anne, malgré une année 2020 plutôt stable en termes de naissances, l'effet baby-boom post-Covid est loin de s'être vérifié. Avec le premier confinement d'avril, tous attendaient une affluence de naissances courant janvier. Or ici, le bilan est sans appel. En janvier 2021, 56 naissances de moins ont été enregistrées par rapport à 2020. Ça a été surprenant. Alors, on a l'avantage, nous, d'avoir un système de préinscription. Donc, on sentait déjà cette tendance à la baisse. Une tendance qu'on va retrouver au moins sur le premier trimestre de l'année. Sur le printemps, on a l'impression qu'on commence à avoir une petite ébauche d'augmentation. Mais là encore, toutes les patientes qui doivent accoucher au printemps ne sont pas encore inscrites. Donc, on ne sait pas vraiment où on va se situer. Dans les services, tous ont dû s'adapter à cette baisse des naissances, du jamais vu pour Christelle Ulrich, sage-femme depuis 16 ans. Il est très agréable de pouvoir s'occuper d'une maman quand on a du temps, parce que c'est important de pouvoir se consacrer à la naissance. Et quand on est dans une situation où les gardes sont très chargés, c'est frustrant de ne pas pouvoir être là tout le temps aux côtés du couple. Mais en contrepartie, la baisse du nombre d'accouchements génère aussi une espèce de stress, parce que nous sommes aussi dans des considérations économiques. La natalité, elle subit, selon les périodes de crise, toujours ou un surcroît ou une diminution. Donc il n'y a pas de raison qu'une fois cette crise passée, qu'on ne puisse pas retrouver une activité qui soit normale. À la clinique, les préinscriptions pour les naissances courant février restent déficitaires. 100 familles sont préinscrites cette année contre 160 à 180 les années précédentes. Même constat à l'hôpital, sur les deux sites de Haute-Pierre et du CMCO à Schiltigheim qui accueillent environ 70% des accouchements du bassin strasbourgeois. On a constaté ces dernières semaines et ces derniers mois une diminution du nombre de consultations, notamment en surveillance intensive de grossesse où on suit les fins de grossesse et les grossesses à terme. Et là, depuis le mois de janvier 2021, on a constaté une diminution du nombre des naissances pour la première fois là, sur le CMCO, sur Haute-Pierre, mais aussi sur tout Strasbourg, même dans les cliniques. Là où on avait environ 800 naissances en janvier 2020, on en a là environ 600 en janvier 2021. Mais pas de quoi entamer le moral des sages-femmes aux abords des salles d'accouchement. Il y a eu des périodes vraiment très calmes, mais par contre aujourd'hui on a beaucoup d'activités. Donc est-ce que c'était transitoire? Est-ce que a priori il y a beaucoup de bébés qui sont à terme pour mars-avril, ce qui correspond à la période de l'été. Donc on verra. La crise du Covid aurait peut-être accéléré la baisse des naissances, mais selon une étude de l'INSEE publiée le 19 janvier, le coronavirus ne serait pas le seul coupable. Les naissances sont en baisse depuis bientôt 6 ans. D'après l'étude, la population féminine de 20 à 40 ans, âge où les femmes sont les plus fécondes, a globalement diminué depuis le milieu des années 90. Et l'indicateur conjoncturel de fécondité, qui était de 2 enfants par femme entre 2006 et 2014, est passé en 2020 à 1,4 enfants par femme.